Alors aujourd'hui, on va pas parler de maison bulle, on va parler de potager. Un potager, le jardinier du dimanche. Le jardinier du dimanche. On est mercredi, mais c'est le jardinier du dimanche. Philippe, il paraît que tu racontes sur internet que... Alors en fait, aujourd'hui, je suis allé chercher mes légumes chez Maxime et je ne me rappelle plus son prénom, Elodie, je crois, le jardin de l'érable à la Berthenoux. Et en revenant, je me suis arrêté chez Constant et Véronique du domaine de la rue, gîte et chambre d'hôte, qui aujourd'hui souffre un petit peu avec l'histoire du coronavirus, parce qu'il n'y a pas de clients. Mais bon, ça leur permet d'avancer sur le gîte, etc. Ils font plein de trucs et Constant me dit à un moment donné, ça te dirait des plants de fraises? J'ai pas de jardin, t'en as parlé l'autre jour, j'ai dit ouais mais j'ai pas préparé encore. C'était une idée quoi. Il me dit justement, c'est une idée, ça pourrait te faire des premières plantations quoi. Donc comme j'avais pas fait mes trucs en carré avec des palettes, là j'en ai pas trouvé. Il y a un petit endroit où vous vous rappelez, l'endroit où il y avait mon petit jardin avec Denis là. Eh bien, j'ai posé de la terre que j'ai enlevée, de la terre un peu argileuse, alors c'est pas de la super terre. Je l'ai balancée par-dessus les plantes qu'il y avait. Donc c'est vraiment jardinier du dimanche. Si ça marche, c'est que tout le monde peut le faire. À mon avis, ça va pas marcher, mais bon. Bref, il m'a filé des plants de fraisier. Et puis je me suis amusé à en planter quelques-uns. Donc j'ai pas tout fini. J'en ai encore qui sont. J'avais dit de les mettre dans un seau d'eau. Parce que j'avais des trucs à finir sur l'ordinateur, donc faut absolument j'y aille. J'en ai quand même planté quelques-uns, je vous montre. Alors sur la route en revenant, je me suis arrêté, j'ai vu qu'il y avait de la paille par terre. En fait, c'était pas de la paille, c'était du foin. Je me suis dit, tiens, je vais faire un paillage avec du foin. Alors j'ai planté mes fraisiers, vous voyez, un peu partout, là, tous les 20 cm. Au pif, vraiment. Puis j'ai mis ma paille autour, enfin mon foin autour. Voilà, il n'y a pas de... Je me rappelle avec Denis, on avait rajouté des orties, on avait rajouté dans le fond du trou, on avait rajouté du purin de cheval. Alors là, j'ai rien rajouté quoi. Mais comme il m'en reste que j'ai mis dans un seau d'eau, j'en ai même mis là-bas. Ouais, c'est du n'importe quoi, Philippe, du n'importe quoi. Comme il m'en reste dans un seau d'eau, demain, je tâcherai de faire quelque chose d'un peu mieux. Je viendrai un peu plus tôt. Je tâcherai de faire quelque chose d'un peu mieux. Alors voilà. On verra.